Avec les groupes d'opposition, malgré ce qui s'est passé pendant la campagne, donc on s'est remis ensemble. Il faut aussi savoir qu'il y a une partie assez importante, c'est-à-dire 5 élus de la majorité qui ne soutient pas l'action du maire. Donc voilà, donc là ce qu'il faut juste, c'est que vous continuiez de créer une pression. On a vu que la première pression a fait 100% 40, hein, voilà. Donc on demande une deuxième pression, 40-0. Bah oui, voilà. Carrément. Ah, maintenant c'est 40. Ouais. Vous savez que c'est. Alors, c'est peut-être 41 ou 40. Alors, attendez. Peut-être 40. D'abord. Voilà. Oui. Ah, c'est pas, d'ailleurs, c'est pas encore 40. Parce que pour que ça soit 40, il faut que ça soit voté en conseil. Voilà, peut-être. Parce que si c'est pas. 40, c'est bon. Alors, si vous ne me laissez pas parler, je vais rentrer directement dans le conseil et je vais m'arrêter. J'ai discuté avec monsieur, ça s'est très bien passé. Voilà. Il a pas voulu. Non, ne commencez pas à menacer aussi. Non, c'est ça. Désolé. Je viens ici pour discuter. Si vous n'êtes pas prêt à m'écouter, Vous ne menacez pas non plus. Vous menacez de partir. Laissez parler. Les 40 sont pas encore adoptés. Oui. Il faut le savoir, il faut que ça soit accepté. Si c'est pas voté, oui, on reste à 80. Bah non, non. On reste au pourcentage et 73% de monsieur le futur ex-maire. Vous avez 7 ans que vous êtes aux affaires. Vous avez entendu? Mais je vous parle correctement. Je vous parle correctement. Mais vous refusez, répondez-moi. Vous vouliez nous dire quoi? Alors, je me suis entretenu avec quelqu'un qui s'est très bien comporté. Il a posé les bonnes questions. Et je lui ai apporté des réponses. Et avec un discours où c'est ça. Monsieur le maire, vous appelez comment? Un pourcentage. Parce que ça, après, vous décidez. Mais expliquez-nous pourquoi vous avez besoin de faire ça. Je pense que l'important, c'est d'expliquer pourquoi. C'est quoi le sens à ça? On a des sous, on n'en a pas, qu'est-ce qui se passe? On ne propose pas au conseil municipal une augmentation du taux de la taxe foncière communale juste par plaisir. Alors pourquoi? Mais ça a été expliqué à maintes reprises. Non. On ne voulait pas dire ça. Je voulais expliquer. Non, moi, personnellement, une commune se doit d'avoir un budget à l'équilibre. C'est une obligation réglementaire. Écoutez, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Une commune se doit d'abord d'avoir un budget de fonctionnement. Équilibré. Et puis donc. Si je peux pas m'expliquer, je vais m'en aller. Il y a des gens ici qui attendent des explications. La moindre des choses et la moindre des politesses, c'est de vous aussi les écouter. Monsieur. Voilà. Parce que sinon, là, vous faites une obstruction à l'information. Donc, une commune se doit d'avoir un budget de fonctionnement à l'équilibre. Et le budget, il n'est pas établi, on regarde les dépenses qu'il va y avoir, et il faut qu'il y ait des recettes en face. Aujourd'hui, sur notre commune, on a des dépenses qui ont augmenté. Alors certains disent, ah oui, il y en a 1 million de plus pour le Covid. Comment ça se fait qu'on a 1 million de plus pour le Covid? C'est vrai ça, on se pose tous la question. Comment ça se fait? Le million. C'est pas que des masques et du gel hydroalcoolique. Pour vos enfants, dans vos écoles, on a été obligé d'appliquer des protocoles sanitaires qui nous ont été
imposer. Mais messieurs, il y a 36 000 communes de France. Est-ce que les 36 000 communes de France ont exactement les mêmes budgets de fonctionnement que monsieur Clavier, je vous connais, on s'est pratiqué lors des conseils des coms. Allez droit au but, monsieur Clavier. Vous avez exercé pendant 6 ans, 7 ans. Vous arrivez 15 jours après votre nomination. Très bien, dans acte. D'ailleurs, Mme Martinois ne vous accorde aucune légitimité. Vous parlez de légitimité, monsieur. Il n'a aucune légitimité. De 40%. Si Je vous propose, et je l'ai proposé à monsieur, de recevoir certaines personnes, certains administrés. Elle est belle votre démocratie.